Jean-Michel Corot, bonjour. Dans quel état d'esprit se trouvent vos joueurs face avant ce derby très important Oui, dimanche? bonsoir à tout le monde. Le derby, ça fait, je pense, une éternité que les deux équipes ne se sont pas rencontrées. Nous, on vient de prendre 40 points à Saint-Thierry. Donc voilà, on va jouer contre le Lardin qui eux, en ont mis 40. Ils sont premiers de poule, invaincus. Quoi dire d'autre? Voilà. Ils n'auront pas la même pression que vous. Je pense qu'ils vont venir faire quelque chose aussi ici pour voilà, c'est deux villages qui se touchent pratiquement, hein, on va dire. Donc il y a une petite hiérarchie à respecter. Donc je pense qu'ils vont vouloir eux montrer que c'est une équipe qui descend de Fédéral 3. Nous, on a été sauvés de la relégation et d'extrémistes. Donc voilà, nous on est en train de bosser à moyen terme et c'est pour ça qu'on va faire le dos rond et on va essayer de produire quelque chose qui va les perturber, oui. Pas trop de blessés pour nous, chez nous, dimanche. On en a bien un ou deux, oui. On a deux, trois joueurs qui sont blessés. Mais bon, c'est une saison, hein, qui est comme ça. On a un petit peu de chance ou on n'en a pas. Là, pour l'instant, on a deux, trois blessés, dont un de longue date. Dans un derby, le public est très important. Donc, le public terrassonné est demandé auprès de vous dimanche, c'est ça? J'espère bien, parce que même dimanche, à Saint-Thierry, on l'a entendu, là, il y avait une pléiade de gamins qui étaient là. On les a bien entendus, ouais, bien sûr. J'espère qu'il y aura un peu de bruit, oui, et qu'il y aura beaucoup de monde, c'est sûr. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Corot. Merci. Mathieu Lacoste, donc vous êtes entraîneur de l'USV. C'est ça, entraîneur-joueur. Alors, quel est l'état d'esprit de l'USV, l'équipe pour dimanche, match de derby? Ben, l'équipe a un bon état d'esprit. On sort d'une victoire à la maison contre Uzerche qui nous a rassurés. Mais voilà, on est bien, mais on est quand même méfiant parce que Terrasson annonce une belle équipe. Donc voilà, nous sommes concentrés. Est-ce qu'il y a des blessés actuellement? Point sur l'infirmerie, on a un trois quarts qui est blessé, un pilier qui est incertain. Mais normalement, tout le monde devrait être là. Et tout le monde devrait être là. Tout le monde devrait être là pour dimanche. C'est ça. Donc l'état d'esprit est positif. Plutôt positif. Voilà. On a envie de gagner, on a envie de faire un beau match de rugby. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je connais le derby contre Terrasson, comme la plupart de tous les joueurs qui vont jouer ici. Donc c'est nouveau, ça va amener du monde, donc c'est une belle fête. Voilà. En plus, on est juste voisins, donc il y a certainement du public, même l'Ardinois, qui va être là. Ah oui, absolument. J'espère même beaucoup plus que le Terrassonnais. J'espère. Je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Merci à vous et à dimanche. Merci beaucoup. Pas de soucis, merci beaucoup.